durant cette vidéo. Apparemment, tu m'aimes pas. C'est une autre que t'aimes. Tu parles avec une pixie star. Mais moi, je m'appelle Chocolat. Tu prends tes pixels sales. Et tu es hors de ma vue. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais grave bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Movistar Planet. Oui, nous sommes bien sur Movistar Planet. Regardez-moi cette petite boule de Movistar Planet. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Movistar Planet où on va pranker les abonnés, on va pranker les non-abonnés, on va pranker Pixie Star, on va pranker Zach Sky. Franchement, ça va être trop drôle. En tout cas, j'espère que ça va être drôle et que vous allez apprécier cette vidéo. Avant que la vidéo commence, pour les personnes qui veulent participer, pour tenter de gagner un Drift Ink Roller Pixel, c'est simple, vous avez juste à être abonné à ma chaîne, à liker cette vidéo et puis à me mettre dans les commentaires votre petit pseudo Movistar Planet ainsi que ce que vous voulez gagner. Donc si c'est un Drift Ink Roller Pixel, vous avez juste à le préciser dans votre petit commentaire. Et encore GG à la dernière personne qui a gagné durant ma précédente vidéo, encore GG à toi. Donc n'hésite pas à aller dans tes cadeaux et à découvrir ton petit item de collection. Aujourd'hui on va pranker, donc déjà avant toute chose il faut qu'on se connecte sur mon compte Chocolat et Vanilla pour vous relaxer les oreilles, pour vous relaxer, pour vous détendre. Petit moment de ASMR, petit moment de soufflage dans les oreilles. C'est bon, j'arrête mes bêtises, le petit coup d'haleine. J'espère qu'il vous a fait plaisir. Aujourd'hui, on va pranker les abonnés. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier certaines personnes parce que ça fait hyper plaisir et que je pense que c'est normal que je les remercie dans ma vidéo ou alors dans mes lives ou n'importe où. Donc en gros, si vous n'êtes pas au courant, sur ma chaîne, la dernière vidéo que j'ai faite, c'est par rapport aux VIP. Donc j'ai ouvert 2 tickets VIP et je vous ai montré comment avoir un ticket VIP gratuitement. Donc si vous n'êtes pas au courant, bah, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui est dans le petit i, qui sera dans tous les cas dans le petit i. Et en gros, j'ai reçu 2 tickets VIP. Donc j'ai reçu un ticket VIP de la part de Toru Honda. Donc vraiment merci à toi Toru Honda. Ne vous inquiétez pas, d'ailleurs je les ai déjà remerciés en privé, mais je vous montre un petit peu son profil si vous voulez un petit peu zioter son profil. Et puis on a X Akemix qui m'a aussi également offert un ticket VIP et ça fait genre vraiment trop plaisir. Donc merci beaucoup pour ton ticket VIP X Akemix. Je vous montre un petit peu son profil, vraiment j'aime beaucoup aussi sa petite tenue. Et ne vous inquiétez pas, je les ai déjà en ami, je les ai déjà remerciés en privé, mais c'est juste là ça bug, genre Movistar Planet bug un petit peu beaucoup et ça dit que je les ai pas en ami alors que si normalement je les ai déjà en ami. Encore merci à vous les fées, je suis tombée, je hurle. Maintenant que les remerciements sont terminés, d'ailleurs on termine les remerciements avec un remerciement collectif et général. Franchement merci encore aux personnes qui font simplement des autographes et des cadeaux, c'est déjà énorme, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc vraiment merci aussi à vous, je vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Bref, maintenant que les remerciements sont maintenant terminés, enfin, vous allez me dire, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo prank. En gros, c'est un lyrics prank. Vous allez me dire, mais c'est quoi Choco? Mais c'est quoi Jamy? Aujourd'hui, on va pranker et on va pas pranker tout simplement. On va pas faire un prank, oh je me suis fait mal au pied. Non. Aujourd'hui, on va aller voir les personnes en privé. On va les aborder de façon différente et on va parler, en tout cas en musique. Donc on va prendre des chansons, on va mettre du Weshden, on va mettre du Bosch, on va mettre des TikTok. Il va y avoir vraiment des musiques de ouf et on va les aborder, on va voir leur réaction, comment ils vont réagir face à une musique, s'ils vont reconnaître la musique ou alors s'ils vont pas du tout reconnaître. Donc vraiment ça va être hyper drôle, on va aller vraiment step by step, donc niveau par niveau. Et puis sinon, si vous habitez dans une grotte, non je rigole, si vous connaissez pas forcément les musiques que je vais mettre dans cette vidéo, bah c'est pas forcément très très grave, au moins vous allez les connaître après. Mais j'ai vraiment essayé d'opter pour des musiques qui peuvent être connues par tout le monde et qui peuvent être cool à dire et à donner. Franchement c'était une vidéo que j'ai un petit peu galéré à trouver les idées de musique et tout, mais j'espère que cette vidéo va encore vous plaire. Bref, on va commencer. Donc déjà premièrement j'ai mis dans mon que fais-tu, je suis pas contente. Je sais pas si vous connaissez ou pas, mais on rafraîchit le que fais-tu. C'est le TikTok, je sais pas si vous connaissez ou pas le TikTok, déjà si vous avez l'application TikTok, mais en gros c'est le TikTok que tout le monde presque connaît. C'est en gros c'est l'anniversaire à ma petite cousine, elle a ses 5 ans. Je suis pas contente. Ah, je sais pas si vous connaissez, mais franchement l'imitation, notez mes imitations dans les commentaires. Je sens on va trop se moquer de moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à ma petite cousine, elle a ses 5 ans. Je suis pas contente. Oh non, il y a quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit, il y a quoi Safa? Je vais lui écrire, je vais lui répondre, c'est l'anniversaire à ma petite cousine. C'est point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Je hurle. On va voir ce qu'il va répondre, hashtag Molly. On sait pas du tout ce qu'elle va répondre, hashtag Molly slash. On va voir qu'est-ce qu'elle va répondre, je hurle. Du coup, j'ai vraiment marqué genre je suis pas contente et elle m'a répondu, il y a quoi Safa, avec genre un O-U-A. Est-ce qu'elle va me répondre?
Elle m'a répondu et elle m'a dit Safa. Oui, c'est bientôt mon anniv. J'allais lui répondre oui et elle m'a dit c'est bientôt mon anniv. Oh non, je prends que les abonnés, c'est trop drôle. Du coup, je lui ai dit c'est l'anniversaire à ma petite cousine. Elle m'a dit Safa, c'est genre en fait, elle s'en fout complètement que je suis pas contente et que c'est l'anniversaire à ma petite cousine et qu'elle a ses 5 ans. Du coup, c'est bientôt son anniversaire. Bah, je vais lui dire joyeux. Oh, dis-lui bon anniversaire demain. Oh non, elle est trop mignonne. Elle est trop craquante. En gros, je me dis que c'est l'anniversaire à ma petite cousine et qu'elle a ses 5 ans. Et elle m'a dit genre, bah, dis-lui joyeux anniversaire de ma part, alors que c'est complètement faux, hein. Je répète, c'est vraiment un prank, un direct prank. Et elle m'a dit que elle, son anniversaire, c'était le 9 juillet. Oh, je craque. Elle est trop mignonne. Joyeux anniversaire à toi. Elle est trop mignonne, bah du coup je lui ai dit oh je craque, joyeux anniversaire à toi en avance et dit coucou YouTube. Voilà, et franchement elle me fait trop, oh c'est trop mignon, elle est trop mignonne, franchement elle est trop chou, cœur, merci Safa, coucou YouTube, elle est trop adorable. Bah voilà, si vous voulez aller la voir, bah son pseudo c'est hashtag Molly, abonnez-vous. Bah ouais, si vous êtes pas abonné, qu'est-ce que vous attendez, qu'attendez-vous, on va vous manger Molly et moi. Non, je rigole. Il y a quelqu'un qui a marré dans son que fais-tu, je suis pas contente. Ok, bon bah premier prank plutôt réussi, elle s'y attendait vraiment pas. Et puis c'est parti pour le deuxième prank, cette deuxième musique. Franchement, je pense que vous allez plutôt rigoler. On va faire le prank de Bosch. Je sais pas si vous connaissez la musique de Bosch. En mode, ça fait bien ou quoi? T'as mis dans quoi ou quoi? Je t'ai vu passer dans l'année et ton boule me rend romantique. Pièce. T'as appel de phare. Bon, c'est bon, j'arrête. Notez mon deuxième imitation de la musique de Bosch dans les commentaires. Vous allez trop vous moquer de moi. Bon, j'arrête mes bêtises. Et c'est parti. On fait le deuxième prank. Ok, j'ai abordé quelqu'un d'autre. Je lui ai dit bien ou quoi. Le gars, il m'a répondu, qu'est-ce qu'il y a? Non mais ça va pas. D'abord, il faut répondre à ma question. Genre, moi, je pose une question, genre, bien ou quoi. Tu me réponds, qu'est-ce qu'il y a? Genre, il y a aucun. Franchement, outré. À écrire sur ma vie Star Planet, on peut pas demander, on peut pas faire des demandes d'informations personnelles. Donc, j'ai pas le droit de dire, habite dans le con ou quoi. Donc, on va tout de suite passer à l'autre parole. C'est, je t'ai vu passer dans l'allée. Ta tête me rend romantique. Je hurle, donc il faut savoir que je suis allée l'aborder, donc je suis allée l'aborder sur une salle de chat. Donc je suis allée le voir, je dis bien ou quoi. Il m'a répondu qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit je t'ai vu passer dans l'allée et ta tête me rend romantique. Normalement, je suis censée dire ton boule me rend romantique, mais on va rester normalement, ok. On va pas commencer à rentrer dans la vulgarité et on va lui dire ta tête me rend romantique. On fait un petit remix. Est-ce qu'il va me répondre? 2000 years later. Oh, il m'a répondu. Attends. Du coup, bien ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai vu passer dans l'allée et ta tête me rend romantique. Dans l'allée de... Il tombe dans le piège, je hurle. Bah, je sais pas quoi dire. Pièce. Vas-y, je vais lui dire pièce. Parce que ça, c'est la musique. C'est la musique. Oh my god, il va vraiment croire que je suis folle. Je sais pas. Mais ouais, genre, la fille, elle te dit bien ou quoi. Ensuite, elle te dit... ouais, bah, je t'ai vu passer dans l'allée. Et puis, pièce... Il a répondu au café. Mais je vous ai dit ou pas? Je vous ai dit en gros celui-ci. Bah en gros, je l'ai vu dans une salle de chat café. Et du coup, il m'a dit au café. Parce que t'es de jambes. Vas-y, je vais lui dire parce que t'es de jambes. Il va trop se dire. Mais qu'est-ce qu'il fait là, c'est là? Il a répondu, je comprends pas tout. Mais oui, il doit vraiment se dire, mais. Il lui manque 3 cases à cette fille. Bah vas-y, je vais lui dire que maintenant c'est un prank. Vraiment, il va dire mais Waz, c'était un prank, je t'ai pranké. Je vais marquer, je t'ai pranké. Voilà, au moins je lui dis que je l'ai pranké. On va terminer avec le troisième prank et pas des moindres. Attendez, il m'a dit pranké. Bref. On continue avec le dernier. Ouais, c'est le dernier prank qu'on va faire. Et si vous voulez un deuxième prank, bah n'hésitez pas à me dire dans le commentaire si vous voulez qu'on fasse une deuxième vidéo prank. Ça pourrait être hyper cool. Si vous êtes toujours là, mettez le mot Weshden. Mettez Weshden dans les commentaires. Voilà, c'est un petit mot comme ça, je vais pouvoir voir qui est toujours dans cette vidéo et qui est parti de la vidéo. Oh là 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 là. Bref. Je vous explique un petit peu. En gros, il va falloir que je prank Zach Sky et
les Pixie Stars. Donc je vais aller voir Zach Sky et je vais lui dire tu m'as trompé, on va faire la musique de Weshden. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vous connaissez du tout la vidéo, en tout cas la musique de Weshden. Apparemment tu m'aimes pas, c'est une autre que t'aimes. Tu parles avec une Anissa, mais moi je m'appelle Chocolat. Et en gros on va remixer les phrases et franchement je pense que vous allez rigoler. Si vous voulez voir comment je parle à Zach Sky et Pixie Star, je vous mettrai la vidéo dans le petit i parce qu'il faut faire quelque chose pour pouvoir parler avec Pixie Star et Zach Sky. Mais les vidéos sont dans les petits i si vous voulez en savoir plus concernant comment parler à Zach Sky et Pixie Star. Donc voilà, donc déjà là on a Zach Sky. Nous avons juste ici Zach Sky. Oui c'est moi qui ai mis les A, arrêtez de me juger. C'est parce que sinon vous allez voir les messages que je lui ai envoyés en haut et c'est plutôt gênant, genre Zach Sky et moi on a le droit d'avoir notre petite intimité entre lui et moi, ok, voilà. Apparemment tu m'aimes pas, c'est une autre que t'aimes. Tu parles avec une Pixie Star, mais moi je m'appelle Chocolat. Tu prends tes pixels sales et tu es hors de ma vue. Tu n'as pas de principe, je te jure sur ma vie. Me tromper avec Pixie Star, mais t'as pas de valeur. Je vais appeler Nova Star et elle vient tout à l'heure. J'ai... Franchement, et cette vidéo, elle m'a trop tué. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Hein. Mais attendez, du coup, une note est terminée. Et bah voilà, franchement, on l'a bien branqué. On va voir s'il va nous répondre. Si vous n'êtes pas au courant, Zach Sky, ce sont des bots, ok. Il n'y a pas vraiment une personne qui s'appelle Zach Sky. Mais c'est dirigé par des modérateurs. Donc il y a des modérateurs qui mettent à jour les que fais-tu, qui mettent à jour les photos, etc. etc. Donc franchement, je vous mettrai au courant si Zach Sky nous a répondu ou non. Ou si. Si Zach Sky nous a répondu, donc si le modérateur nous a répondu, ou alors si tout simplement je vais me prendre un ban. Mais franchement, j'ai rien dit de ouf. Franchement, c'est beaucoup trop drôle. On est d'accord que c'est beaucoup trop drôle. En sachant que là, j'ai fait pas trop de musique, j'en ai fait que 3. Mais c'est quand même bien. Et franchement, je veux vraiment vos retours dans les commentaires. Je veux vraiment savoir si ce genre de vidéo vous plaît. Si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voulez que je fasse sur ma chaîne, ça pourrait être genre vachement drôle. En tout cas, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. C'est la fin de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se dit à très vite pour un prochain live ou alors une prochaine vidéo. Bisous.